Ah bah du coup bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode sur Rockvania dans lequel bah écoutez aujourd'hui on se retrouve à la base comme d'habitude pour enfin faire l'épisode tant attendu pour la préparation des boss. Donc préparation des boss qui veut dire normalement entraînement de T-Rex et surtout naissance de Rex, sachant qu'il est temps d'avoir enfin la première vague de Rex. Donc évidemment il y en aura plusieurs, sachant qu'actuellement mes Rex sont pas non plus tip top, ils ont 10 000 de vie, mais d'après ce que j'ai entendu, enfin avec une mutation vie, mais d'après ce que j'ai entendu Mitsu a une, enfin je crois des Rex à 12 000 de vie, donc ça c'est plutôt pas mal. On essaiera de voir s'il n'y a pas moyen d'en choper un, juste un seul ou un truc comme ça, sachant que Dylan et Mitsu a aussi un Rex dans ce style là, donc on verra bien. Mais dans tous les cas écoutez, je pense qu'il est temps tout d'abord de se préoccuper de ce premier Rex, le Rex radioactif. Alors dans les épisodes précédents j'avais dit que j'allais mettre une crête rose, au final non, parce que celui de Mitsu est mort. Et le problème, c'est que Dylan, alors oui, il y a encore une crête rose, mais elle est pas comme je veux, sachant que là, une mutation jaune, elle a plein de mutations en même temps, donc c'est totalement la merde. Donc malheureusement, on fera sans crête jaune. Sauf si j'arrive à avoir d'ici là un autre œuf avec une crête ou un truc comme ça, sachant que pour le moment, ma crête n'est pas forcément tip-top. Donc, alors, normalement, j'ai des balustrades qui se trouvent quelque part. Je ne sais pas trop où je les ai posées, peut-être dans la serre. Est-ce que tu as des balustrades, toi? Oui, 30 balustrades, nickel. Donc, l'objectif est du coup de placer les balustrades directement pour mettre les Rex. On va essayer de mettre 2 Rex par cage. Donc, toi, du coup, tu es quoi? Toi, tu es peut-être une femelle. Donc la femelle va devoir normalement se positionner là. Voilà, je crois que là ça devrait aller. On essaiera du coup d'en mettre 2. Donc si on essaye d'en mettre 2, ouais, en fait je me dis que ça va être compliqué. Ouais, bon, au pire, ce qu'on va faire, le Rex, sachant que j'ai fait naître normalement il n'y a pas longtemps un Rex mutant vie, qui est du coup un mâle, je pense que du coup c'est toi. Je crois que c'est toi. Ouais, voilà, c'est toi, nickel. Alors toi, du coup, tu vas venir par là. Voilà. Toi, on va te prendre ta seule. Magnifique. On va du coup te la mettre sur toi. Et là, l'objectif est juste vraiment, hop, de caler ça. Magnifique. Comme ceci. On va essayer, ouais, voilà, lui deux dans la cage. C'est pas si grave. Est-ce que ça fait beaucoup de pieds? Est-ce que c'est vraiment embêtant pour le passage? Non, c'est pas embêtant. Ah bah nickel. Du coup, hop, on va hop, directement mettre les balustrades comme ceci. On va tout entourer. Je ne sais pas du tout si j'en aurai assez. On verra bien. Écoutez, ça sera la surprise. Il faut de toute façon 4 de haut, si je me trompe pas. Tac, voilà. Va falloir dans tous les cas, j'ai recrafté encore un petit peu. Il me semble que j'ai encore un petit peu de bois et un petit peu de branchage et un petit peu de pierre. Donc ça, c'est comme ça, bon, c'est nickel. Tac, tac, tac. Et ensuite, normalement... Et bah j'en ai plus. Évidemment, il va falloir reprendre l'engramme. Donc balustrade en pierre, c'est ici, toc. Et si je me trompe pas, on va pouvoir en crafter 20. Et bah je pense que ce sera assez. Et du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à fermer. Donc à présent, on va directement lancer normalement la promenade des Dorex. Voilà, comme ceci. Et puis bah il n'y a plus qu'à attendre que ça fasse des œufs. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Bien, et bah écoutez, du coup, je pense qu'il est temps de commencer à faire éclore les œufs de T-Rex directement. Je pense qu'ils vont éclore dans environ 5 voire 3 secondes. Si je me trompe pas, je sais pas trop lequel va éclore en premier. Il y a qu'un seul radioactif. Il y a qu'un seul mutant radioactif. Alors, pitié, s'il te plaît, que t'aies la mutation vie. Oh, il a la mutation vie. T'es quoi, toi? T'es un mâle. Bon, bah, c'est pas terrible, mais au moins il a la mutation vie, c'est bien un T-Rex radioactif, donc c'est cool. Alors j'ai déjà fait éclore genre 2-3 œufs juste avant, mais évidemment je me suis encore trompé sur la viande, je me suis déco beaucoup trop tôt, au final bah ils ont pas bouffé du tout, donc c'est un petit peu ballot. Mais au moins voilà, on a quand même quelques Rex, c'est pas non plus satisfaisant, sachant que bah... Ok, ils ont peut-être la mutation vie, mais ils n'ont pas encore la mutation couleur, ce qui en soi pose vraiment problème. Mais au moins, si lui, il a la mutation vie, avec la mutation couleur, je pense que c'est vraiment l'importance. D'ailleurs, t'es quand même 257, à voir s'il n'y a pas une mutation en plus qui s'est rajoutée. Alors toi, du coup, on va te mettre en très proche pour que tu dégages le passage. Toi, on va te mettre en très proche également, nickel. Du coup, vous deux, vous allez venir, voilà. Toi, tu vas arrêter de bouger. Et toi, du coup, on va te mettre tranquillou ici. Voilà, tranquillou. Hein, tu vas venir comme ceci. Voilà. Ensuite, vous, du coup, on vous désactive la promenade. Normalement, je crois que c'est bon. Tout le monde a la promenade désactivée. Ouais, apparemment, oui. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre tranquillou sur Rex à la maison. Et... What the fuck? C'est quoi, c'est cool? C'est quoi cette couleur d'eau? Depuis quand l'eau est bleue comme ça? What the fuck? D'habitude, j'ai toujours en mode boue. What the fuck? Il y a eu... attends. Alors, en fait, non. Oula, j'ai pas prévu ça du tout. J'ai pas prévu ça du tout. Casse-toi, le con. Il m'a fait peur. Mais il m'a fait peur. Attends, il y en a un deuxième là-bas. Je vais peut-être quand même aller chercher mon argile. Oh, j'ai eu la peur de ma vie.
Oh, j'annonce, j'ai eu la peur de ma vie, en plus j'aime pas ma lance sur moi. Oh, ça aurait pu tourner mal ça. Ça aurait pu tourner très très mal. Après, je sais pas s'il attaque les Rex ou pas, mais ouais, ça aurait pu tourner très très mal. Alors normalement, j'ai mon nouvel Argentavis qui est là, juste là, Al Capone 2. D'ailleurs également, je tenais juste à faire une petite parenthèse. Si jamais, éventuellement, vous voulez donner des noms aux Rex ou à certains dinos, n'hésitez pas à les proposer en commentaire, sachant que je suis toujours preneur, hein, là, très clairement. Sachant que je commence un peu à être à court d'idées de prénoms de merde. Donc, ouais, si jamais vous avez de bonnes idées, je pense que... Pourquoi pas, que ce soit des pseudos, que ce soit des noms, je pense que je mettrai à peu près tout. Que ce soit pour les Rex, que ce soit pour n'importe quoi, je les mettrai, voilà. Si vous voulez un truc en particulier, bah n'hésitez pas à le dire. Mais si tout le monde demande la même chose, genre s'il y a, je sais pas, imaginons, deux dimétrodons, s'il y en a quatre qui demandent un dimétrodon, c'est difficile. Vous avez un petit peu compris la chose. Du coup, alors, toi, on va te poser ici. Est-ce que j'ai de la viande? Ouais, j'ai un petit peu de viande. Ce qu'on va faire, on va directement te remplir l'estomac de viande. Voilà, cette fois-ci, on va bien rester à côté. De toute façon, après, on va aller te donner un petit peu plus de viande, sachant que pour le moment, on n'en a pas énormément. Et puis, bah, maintenant, il ne reste plus qu'à les tuer et les autres bébés T-Rex, sachant qu'ils ne servent à rien. Voilà, ils ne servent à rien, ils n'ont pas de mutation de couleur. Ils sont inutiles. Alors, du coup, on va tous vous déclaim normalement. Tac, du coup, abandonné, si je ne me trompe pas. Voilà, abandonné. Et le dernier, voilà, nickel. Alors, ce qu'on va faire, on va monter sur l'Argy. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à taper, je pense. Hop, allez, on tape, on tape, on tape. Et, oula, non, je n'ai pas des clés mains. J'en ai oublié, hein, la vache, j'ai pas vu. Alors d'ailleurs, il y en a encore forcément qui se barre. Je crois qu'il était en passif, celui-ci. Voilà, on abandonne. D'ailleurs, au passage, j'ai passé un level. Et je pense que l'Argy aussi a passé quelques levels. Ou alors un level, je sais pas trop. Sachant qu'il commence à être entraîné, le pépère. Je crois qu'il a bientôt 1000% de dégâts de mêlée. Donc c'est plutôt pas mal. Il tape quand même à 304. Voilà, c'est pas mal. Je pense que ça pourrait vraiment commencer à être bien à partir du moment où il tapera peut-être à du 400. Ouais, je pense, un truc comme ça. Alors, du coup, on a passé le level. On va augmenter la résistance à 30. Puis maintenant, on va augmenter un petit peu le poids un peu partout, je pense. Le poids. Toi, par contre, on augmente les dégâts. 990, c'est nickel. Est-ce qu'il n'y a pas un petit parasère pour faire de la viande? Bon, au pire, un dilo, tiens. Hop. 321. Bon, c'est plutôt pas mal. Il commence à taper fort quand même. Voilà, comme ça, ça va faire un petit peu de viande. Voilà. Alors, ce qui est bien vers ici, c'est qu'on a vraiment des parasères un petit peu partout. Donc, pour faire de la viande, c'est juste idéal. Parce que c'est vraiment pratiquement 200 de viande à chaque parasère. Donc, c'est juste trop bien. C'est très clairement juste trop bien. En plus, ils n'ont pas non plus énormément de vie, les parasères en général. Donc, c'est génial. C'est beaucoup trop génial. Par contre, lui, il semble être au level. Ouais, 130. Bah, dommage. Je pense qu'on entamera plutôt un 150. Ouais, je pense que ce sera quand même mieux qu'un level 130. Sachant que pour les parasères, bon, il y en a quand même beaucoup et on les trouve facilement. Alors également, petite précision, sachant qu'on m'a souvent demandé, en tout cas sur les lives, tout ce qui était Gigano, d'ailleurs, magnifique, il a passé les 1000% de dégâts de mêlée. On m'a souvent demandé quand est-ce que j'allais taper un Gigano. Le seul problème étant que pour le moment, il n'y a pas de Gigano au level, donc c'est assez embêtant. Par rapport à Utiranus, normalement, on ira bientôt en tamer un, sachant que du coup, normalement, je crois que Akamitsu et Skell en ont sûrement un, mais ils font pas d'œuf. Donc on ira sûrement se faire un ou deux Yuki au level, en tout cas on essaiera, sachant qu'il y a très très peu de haut level, et à chaque fois dès qu'il y a haut level, directement quelqu'un d'autre le tame. On ira sûrement faire ça dans un prochain épisode, et bah du coup, on va réactiver la promenade de ce gars-là. Alors attends, toi t'es bien mal. Ouais, d'accord, nickel, donc c'est bien mal. Donc on va pouvoir te remplacer par le nouveau Rex qui va grandir au fur et à mesure, donc ça au moins c'est nickel. Bien. Alors du coup, j'ai fait naître certains T-Rex en les faisant imprint à 100%, comme par exemple celui-ci, j'ai été un petit peu les entraîner au Raptor Alpha, ou alors en bectant un peu tout ce que je trouvais. Mais bon, c'est quand même assez lent, sachant que bah ils naissent avec 12 000 de vie avec imprint, donc c'est pas énorme comparé à la dernière saison, où je crois qu'ils naissaient avec 16 000 de vie. Donc ce qu'on va faire, écouter, on va tout simplement aller les entraîner un petit peu plus en leur faisant becter tout simplement les bébés Rex, parce que oui, c'est une technique assez efficace. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est une technique quand même assez efficace pour entraîner les Rex, que ce soit des bébés Gigano ou des bébés T-Rex, ça marche aussi. Auparavant, je faisais plus aux bébés Gigano, mais bon, bah, j'ai pas encore des Gigano et c'est beaucoup trop long à faire éclore et à reproduire, etc., etc. En plus, le temps de l'avoir plein, je pense, ça met quand même pas mal de temps. Donc, les Rex au level sont aussi une autre possibilité. Hop, on va du coup le déclaim. Je pense qu'il en reste encore deux à déclaim. Alors non, c'est toi, du coup, il va falloir déclaim. Et le dernier, voilà. Donc, en gros, si vous voulez, c'est vraiment tous les bébés Rex dont je me sers pas. Voilà, je tiens quand même à préciser. Je les bec parce que bah, j'ai des œufs en trop. En fait, j'ai déjà le compte dans mon frigo pour avoir les 20 T-Rex. Et pousse ta tête, toi. Oh. Ok, donc du coup, on va mettre la selle. Et je pense qu'on va directement becter. Hop, par ici. Et on va essayer, voilà, de becter tout d'un coup. Voilà, bébé Rex, on les becte.
Et je crois... Ah bah je vois qu'on est bon, magnifique. Alors ensuite du coup toi je pense qu'on va pouvoir aller te ranger directement dans le coin. Mais évidemment il va falloir augmenter un petit peu le gamma comme ceci. Donc attention, il a gagné combien de levels? 26 levels. Alors 26 levels ça fait 30 000 de vie. Ah bah écoutez c'est nickel, il nous faut environ 30 000 de vie pour faire la Bone Mother en facile. Voire peut-être en médium, donc bah c'est nickel écoutez. Bon peut-être en médium, peut-être falloir augmenter peut-être à 40 000 de vie. 35 000, un truc comme ça, on sait jamais. D'ailleurs, va falloir aussi les tamis utiles. Donc peut-être dans cet épisode si j'en trouve un, mais ça m'étonnerait. Hein, très clairement, moi, je vous dis, ça m'étonnerait fortement qu'on en trouve un. Mais voilà, du coup, tous les Rex ici sont presque en tout cas entraînés. Alors juste remettre les noms. Toi, t'as 27 000, bon encore un petit peu. 25 000 toi, va falloir encore un petit peu t'entraîner. Toi ensuite, t'as combien? T'as 26 000, va falloir également un petit peu t'entraîner. Toi, 26 000 également. Toi, 25 000, donc bah du coup maintenant 26 000. Toi, 32 000. Toi, du coup, t'es pas encore entraîné, donc toi, va falloir t'entraîner. Je pense que la limite... Attends, on va prendre ta selle, toi. Hop, voilà. On va directement te reculer, comme ça, au moins, on sait quel Rex va falloir entraîner. Et puis, du coup, je pense qu'il va falloir faire éclore d'autres offres, parce que là, pour le moment, je n'ai que 8 Rex ou 9 Rex, je sais plus trop. Je crois que j'en ai avoir 9 ou 8. Non, 8. Enfin, 8, en tout cas, en comptant les 2 Rex qui sont là-dedans. Ça veut dire... Non, pas toi qui... Toi, t'es pas imprint. Toi... Non, pas toi non plus. Toi, alors, uniquement toi? Ouais, voilà, ok. Donc, j'en ai un seul uniquement qui imprint là-dedans. Donc, c'est le boss numéro 3. Faudra le dégager un moment ou l'autre. C'est juste vraiment histoire d'avoir un petit peu plus de Rex un petit peu plus rapidement. Mais, globalement, je crois qu'on est bon. Pour le moment, je laisse toujours ces Rex-là dans les enclos pour, du coup, faire XP mes Rex. Sachant que c'est quand même assez long. Bon. On va dire que je ne sais pas non plus beaucoup entraîner, mais en tout cas pour les entraîner vraiment pour avoir 40 000 de vie, c'est assez long. Alors je vais faire quand même beaucoup de comparaisons, mais la saison dernière on avait beaucoup d'alpha, on avait je crois augmenté le taux d'alpha de Rex, de Raptor et de Cardo, donc c'était quand même assez cool pour l'entraînement de Rex. Là c'est normal le taux de spawn, donc c'est quand même beaucoup plus lent, donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait entraîner au Rex, et en soi ça marche plutôt bien. Alors également par rapport aux œufs, alors il y a Jesse qui m'a prêté 2-3 œufs par-ci par-là, donc merci beaucoup. Sachant qu'il me manque encore l'équipe de Terror Bird, malheureusement, faut vraiment que j'aille entamer, c'est un truc qui me manque. Peut-être les kibbles de Stego, ouais, voilà, il me manque encore un Stego, faudra vraiment que j'aille le tamer. Sinon, Iguanodon peut-être, toi t'es voilà mal aussi, faudra aussi aller entamer, par hasard du coup j'en ai tamé un, mais ouais, voilà, il me manque encore 2-3 trucs par-ci par-là. Sinon, pour les dinos que j'ai, comme par exemple les Dimetrodon, je les mets en accouplement, pareil pour les Listros, ça me donne des œufs fécondés, et ensuite j'en fais des kibbles, voilà. Pour les personnes qui ne savent pas, ça peut également servir. Ici, on a toujours les trois titans de bois qui d'ailleurs pondent assez bien. Enfin, il y a uniquement lui qui pond. Hein. Je tiens quand même à préciser, il y a uniquement lui qui pond. Donc peut-être le Tilacoléo, c'est pour bientôt. Voilà, qui sait. Faudrait juste aller en trouver un haut level. Et puis, bah écoutez, je pense qu'à présent, on va aller faire éclore d'autres de Rex qui sont normalement dans les frigos, si je me trompe pas. On baisse un petit peu le gamma. Et normalement, les œufs sont dedans. Voilà, bon, on va en faire éclore 5. Je pense que 5, ça devrait être bon. Et puis bah du coup va falloir attendre 15 minutes parce que c'est 15 minutes l'éclosion des Rex avec nos stats. Donc bon, c'est pas très long, mais c'est pas trop court non plus. Yeah, et bah écoutez nickel, hop, les premiers imprints sont là. Toi tu es dans combien de secondes? Tu es dans 5 secondes, on va directement aller voir les autres. Toi tu veux une croquette de dodo, ça jette. Tu veux une promenade, allez viens avec moi. Toi tu veux quoi? Une promenade, bah c'est nickel. Toi tu veux quoi? Croquette de patchy. Alors ça va être dur, mais je crois que j'en ai. Je suis pas totalement sûr. Toi du coup tu demandes ouais croquette de dodo. Toi, je crois que tu as fait ta promenade. Et toi, qu'est-ce que tu demandes? Une promenade aussi. C'est nickel ça, il y a juste deux casse-couilles. Sinon, tout le monde est sympa. Ok, alors ce qu'on va faire, on va directement aller chercher normalement les deux kibbles. J'espère comme je les ai, hein. J'espère vraiment que je les ai. La kibble de dodo, apparemment, n'est pas craftée. Putain, elle n'est pas craftée. Oh fuck, je pensais l'avoir crafté mais en fait non pas du tout. Bah écoutez, on va prendre une, ensuite patchy. Est-ce que j'ai un œuf de patchy? Oui voilà, j'ai bien un œuf de patchy. Et je sais plus tout ce qu'il faut. Alors attends, déjà je sais qu'il faut des carottes. Il faut de la viande je crois aussi. Donc de la viande c'est ici. Ok, magnifique, première kibble faite. Du coup c'est quoi? C'est la croquette de patchy. Donc c'est cool. Du coup il reste plus qu'attendre la kibble de dodo. Donc on va directement aller lui donner. Alors je sais plus du tout c'était qui. Je crois que c'était peut-être le... Alors je suis pas sûr que ce soit lui. Non c'est pas lui hein. Non, c'est pas lui, ok. Donc c'est bien toi. Nickel, ok. Plus personne n'a besoin de trucs, hein, à part l'autre avec sa kibble de dodo. Ouais, je crois que non. Alors le problème, c'est que j'ai toujours pas cette fichue cuisine industrielle. Du coup, ça met énormément de temps pour crafter. Je crois que ça met environ 30 secondes. C'est hyper relou. Voilà, comme ça c'est dit. T'as... Putain, mais c'est vraiment plus, y'a pas d'eau.
Ah, j'ai oublié l'eau. J'ai oublié l'eau. Là, c'est rempli, comme ça au moins t'es content et tu peux la crafter ta keyball. Et du coup, on donne la keyball. Magnifique. Alors, au niveau du temps pour les imprints, on est vraiment large, je tiens comme à le dire. La dernière fois, j'avais loupé, je crois, un imprint, donc je ne sais combien de minutes. Bah, j'ai quand même réussi à faire un 100%. Bon. De justesse, mais niveau du temps, c'est large, donc ça c'est vraiment cool. Du coup, ça on va remettre dedans, et bah du coup, on va aller remplir encore une fois la gourde. On va peut-être aller prendre quand même une autre gourde en polymère dedans. Ouais, voilà, j'ai cette gourde là, magnifique. Donc, toi, on va te poser hop dedans, et on va aller remplir celle-là. Et puis, comme ça, au moins, il n'y a plus que. Enfin, si en tout cas, on doit la réutiliser, cette marmite, je pense que tout sera prêt. Bon, alors, du coup, deuxième imprint, et il me demande. Putain, encore une kibble de dodo. Oh, toi tu me demandes quoi? Une promenade, ok. Toi tu me demandes un câlin, moi tiens le câlin c'est fait. Ensuite toi tu me demandes quoi? Tu me demandes dans 3 minutes, bah écoutez j'ai le temps. Je regarde juste si l'autre il fait sa promenade. Toi un câlin, magnifique. T'as fait ta promenade ou pas? Non, toujours pas. Voilà, non, toujours pas. Allez, viens, viens, viens par là. Allez, fais ta promenade. Allez, voilà, enfin, putain, faut marcher 3 km pour qu'il fasse sa promenade. Alors, du coup, toi, tu l'as faite, ou alors pas encore. Et toi, donc, c'est bien une croquette de dodo. Eh ben, écoutez, on va directement aller en faire une autre. Je pense que vous savez quoi, on va directement faire plusieurs d'avance. Donc, dodo, hop, ici, toc, voilà, on va en faire 4, je pense. Il me faut, du coup, des carottes, des méjoberries et de la viande. Voilà, comme ceci. On va tout mettre, hop, directement dedans. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Kibble faite. Nickel, du coup. Hop, on te donne la petite kibble. Toi, tu as besoin de quoi? Dis-moi que c'est une kibble de dodo. Non, une promenade. Bon, c'est encore mieux, écoutez. Et je crois que normalement... ouais, après, je crois qu'on aura terminé les... Ah non, ok, il en reste encore un ici. Une minute. Fais ta petite promenade. Allez. Fais ta promenade. C'est chiant parce que parfois, faut marcher 3 km. À chaque fois, soit tu marches... Pas du tout, soit tu marches 3 km. Et là, je pense que, ouais, faut marcher 3 km. C'est relou. Ah, enfin, tu l'as fait ta promenade. Voilà, bon, du coup, t'es plus trop bon endroit. Donc là, bah, tu vas venir par là. Magnifique. En plus, si c'est même pas glitch dans le Quetzal, si ça, c'est pas beau. Et du coup, pas bouger. Voilà. Alors, également par rapport aux Rex, c'est vrai que j'ai envie de tuter, mais je pense que les Rex vont peut-être bientôt atteindre le level 300. En tout cas, si je les entraîne comme il faut à 40 000, 50 000 de vie. Donc, ça, c'est plutôt bon signe, sachant que bah j'ai très rarement eu des Rex level 300. Donc, ça, c'est vraiment good. Toi, c'est dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu demandes? Il y a un cadran. Ah bah c'est nickel. Voilà. Comme ça au moins tout le monde a eu ses imprints. Normalement je vais juste comme regarder. Toi tu l'as eu. Ok. Lui il l'a eu. Toi tu l'as eu normalement. Et toi tu l'as eu. Et toi là-bas. Je crois qu'il l'a eu. Je crois que lui c'était une promenade. Ouais voilà il l'a eu. Bien. Et bah du coup ce sont les derniers imprints. Et il va évidemment nous demander une kibble de Dilophosaur. Heureusement que je l'ai fait juste avant. Toi dans 5 minutes. Toi dans 8 secondes. Toi dans 1 minute. Enfin plutôt dans 2 minutes. Toi dans 2 minutes. Bon en fait ils sont vraiment pas du tout ensemble. Donc on va juste attendre toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Allez. Croquette de l'istro. Ok. Ça va falloir je craft. Et je crois que... Ouais bon. Au pire on va aller chercher directement une kibble de Dilo. Et également une kibble de l'istro. Normalement j'ai pas encore fait la kibble de l'istro. Mais en tout cas j'ai la kibble de Dilo. Donc comme ça au moins c'est nickel. Je sais plus tout ce qu'il faut très clairement pour la kibble de l'istro. Donc on va prendre l'œuf comme ceci. On va prendre un peu de tout en fait. Parce que je sais pas du tout ce qu'il faut. On va prendre tiens ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà comme ça on mange. Je suis sûr de pouvoir la faire. Et éventuellement des patates. Ouais, ça peut également toujours servir. Et maintenant, du coup, il me manque les méjots. Voilà. Bon, comme ça, au moins, ça va crafter la keyball. Quand on sait pas ce qu'il faut, bah, on met un peu. En fait, on met un peu de tout. Sauf que moi, j'ai oublié comme un boulet le citron. Alors, toi, tu dégages et je mets le citron. Voilà, comme ceci. Voilà. Bon, du coup, ça c'est craft, mais je sais toujours pas ce qu'il faut. Bon, au moins, les crafts, c'est l'essentiel. Alors, non, on va plutôt hop, échanger, mettre ça dedans. Et puis, je pense qu'on va directement aller donner les deux kibbles. Donc, la première kibble, c'est kibble de Dilo. Dilo, hop, tu es ici. La kibble de l'istro, tech, normalement, c'est toi, si je me trompe pas. Voilà. Toi, c'est quoi? Toi, c'est câlin. Hop, petit câlin. Toi, là-bas, qu'est-ce que tu veux? Toi, du coup, c'est déjà fait, d'accord? Toi, c'est déjà fait, on est d'accord? Toi, c'est déjà fait, on est d'accord? Et toi, du coup, c'est une promenade. Et je crois qu'on aura terminé. Je suis pas totalement sûr, mais je crois qu'on aura terminé avec les imprints. On va faire un petit tour. Voilà, il a fait son imprint. Je crois que c'est bon. Je sais pas du tout, mais je crois que j'ai tout fait. J'ai quand même revérifié encore une fois. Non, voilà, il manque juste encore lui dans 2 minutes, 2 minutes 30. Et puis, je crois qu'après, on aura enfin terminé les imprints de Rex.
D'ailleurs, ça me fait penser que je vais devoir très rapidement relancer une petite repro de Rex pour avoir un peu des œufs. Ouais. Enfin, oui, en fait, juste pour avoir des œufs. Pour du coup, l'entraînement des Rex. Sachant que j'ai pas non plus trop le temps en ce moment de passer 30 minutes, voire une heure à entraîner chaque Rex. Autant s'il y a des alphas, pourquoi pas. Mais le problème étant qu'il y a vraiment très peu d'alpha à présent, faut vraiment aller les chercher, faut vraiment faire toute la map. Et du coup le dernier imprint dans une seconde, qu'est-ce qu'il va demander? Croquette de l'istro. T'as casse-couille toi. Alors je crois que là par contre j'en ai plus du tout de kibble de l'istro, donc je pense que je vais devoir aller en chercher tout simplement chez Jessie, mais avant ça je vais peut-être m'alléger un petit peu, sachant que je suis un petit peu lourd. Alors j'ai un sarco à côté, faudrait que j'aille le buter. Alors ça on va tout reposer dedans, voilà, sauf la viande, j'en aurais quand même besoin. Tac, on repose. Et on est directement parti. D'ailleurs Jessie qui a fait pas mal de modifications sur sa base, je vous laisserai plutôt aller voir sa chaîne, j'ai été trop spoil. Normalement, évidemment d'accord, j'ai plus d'eau, l'istro, il en a 8. Ok. Alors est-ce qu'on peut boire ou pas ici? Est-ce qu'il y a un petit truc pour boire, hein? Voilà, magnifique, comme ça au moins on a bu. Et du coup, voilà, on va se poser et on va donner la kibble au dernier Rex. Voilà. Eh ben écoutez, c'est nickel. Voilà, tous les T-Rex sont imprint à 100%. Par contre, je sais pas du tout, j'en ai combien. Alors attends, là, du coup, ça fait 9, je crois. 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, donc il manque encore 5 Rex. Et puis ensuite, il manquera plus que Yultiranus. Ah bah c'est nickel, franchement c'est plutôt pas mal. Non pardon, il me manquera plutôt 4 Rex, sachant que c'est vrai qu'il y a un Rex qui est dedans là, imprint à 100% également. Alors attends, toi par contre on va te récupérer, voilà, tac, on se faufile entre les pattes des Rex. Attends, mais pousse-toi toi, voilà, je récupère ton œuf. On va juste augmenter un petit peu le gamma, voilà, 2.7, on va manger un petit peu. Toi on te récupère, je pense qu'on va désactiver la promenade juste après. Donc toi t'es le mâle, tu prends pas d'œuf, voilà, la femelle. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à désactiver tout. Et je crois qu'on est bon au niveau des promenades. Donc il faudra juste encore faire 4 Rex. Et il faudra surtout aller trouver dans cet épisode un endroit où poser les Rex pour les boss. Sachant qu'on n'a pas le droit de se mettre à la tour. Enfin, oui, en fait, on n'a pas le droit de se mettre à la tour. Sachant qu'on est beaucoup trop nombreux. Et si une personne s'approprie la tour, bah pourquoi cette personne plutôt qu'une autre. Donc il faudra sûrement aller trouver un beacon qui est pas trop loin de la base. Mais quand même assez sécure. Sachant que normalement il y a des beacons juste en bas dans le marais. Mais si c'est pour que les Rex se fassent attaquer H24, non merci. Donc on essaiera quand même d'aller trouver un endroit plutôt sécur, sachant qu'ici dans le coin je pense qu'il y a pas mal de beacons. Bien, et eh bien écoutez du coup, petit Yultiranus level 125 femelle. Donc forcément ça ne se néglige pas, sachant que je voulais absolument un Yultiranus. Bah écoutez, on l'a trouvé, sachant que Jessie lui de son côté aussi ce soir cherchait un Yulti, je crois femelle également. Et non pas du tout, bouge pas. Non d'accord, qu'est-ce qu'on, apparemment il a l'air bloqué. Est-ce qu'il y a un coefficient de tête? Non, pas de coefficient de tête. Du coup, Jessie de son côté cherchait lui aussi un Yultiranus femelle. Il en a trouvé je crois un 135, un truc comme ça. Et il a perçu un petit femelle 125. Donc pourquoi pas. Il y avait un gigano juste là, level 50. Donc d'ailleurs j'ai failli mourir. Sachant que j'avais plus du tout de stam, je me suis posé à côté de lui. Forcément, c'est toujours quand on est à côté du gigano qu'on a plus de stam. Et il me semble qu'il en a vu un autre Yulti level 125 qui... Pareil je crois, ouais, 125, pas trop loin, je sais pas trop, mais c'était un mâle. Donc si on arrive à le retrouver, on pourra le tamer, comme ça au moins on pourra directement commencer un petit peu le breeding pour avoir peut-être les stats bonus et peut-être mélanger les stats pour vraiment avoir de très bons stats. Sachant que les 30% de résistance, ça ne se néglige pas du tout, pareil pour les 30% de dégâts. Donc bah écoutez, maintenant je pense qu'il reste plus qu'à l'endormir. Écoutez, le mouton, alors il y en a beaucoup. Franchement, dans le vieux froid, il y a beaucoup de moutons. Ça, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Je me fais pas de soucis. Si éventuellement je ne retrouve pas, bah écoutez, j'irai faire un petit tour chez moi en chercher un, sachant que j'en ai quelques-uns de rechange. Je pense que ça, vous l'avez vu. Mais normalement, ici, dans le vieux froid, la dernière fois, j'ai fait quelques petits tours. J'en ai croisé 4. Je pense 3 ou 4. Donc, j'en ai vraiment croisé pas mal. Donc, ça, comme ça, au moins, c'est cool. Alors, je crois qu'il est en fuite. Je suis pas sûr, en tout cas il est bloqué, donc ça c'est vraiment bon signe. Je regarde si jamais il n'y a pas de truc qui arrive, on sait jamais. Sachant que ça serait quand même assez bas de tomber avec le Yuki là juste dans le trou, sachant qu'il est bloqué. Alors le seul problème, j'espère qu'il n'est pas bloqué définitivement. J'espère qu'on va quand même pouvoir le sortir. Sinon c'est un petit peu con. C'est genre carrément con. Mais je pense qu'il va pas tarder à dormir. D'ailleurs, attends, peut-être que je mette quand même ma fourrure moi. C'est vrai que là j'ai pas encore mis ma fourrure et je suis en train de mourir de froid limite. Il y a encore le glaçon. Je sais pas trop si j'ai d'autres fois armure sur moi. Non d'accord, je peux faire plus. Donc j'ai pris 165 flèches pour les deux Yulti. Enfin sauf si je trouve pas l'autre Yultiranus. Je pense que ça devrait être assez. Sachant que bah il dort déjà.
Bon, c'est nickel, écoutez. C'est plutôt pas mal. Donc, bah écoutez, je vais aller chercher sur mon petit mouton, voir s'il n'y en a pas un trop loin. Je vais quand même revérifier par rapport au Gigano, savoir s'il peut pas remonter, sachant que j'ai pas fait gaffe en fait s'il peut remonter ou pas. Mais normalement, il devrait pas. Il devrait pas pouvoir remonter. Le Gigano, il est... Où est-ce qu'il est? Ouais, Jesse l'a vraiment emmené loin, donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, moi je le dis très clairement, on est tranquille par rapport au Gigano. Bien, bien, bien. Alors je pense qu'il est temps enfin de reprendre le record, sachant que ça commence à faire peut-être 2-3 jours que je n'ai pas record. Pas mal de choses se sont passées, donc tout d'abord, le Utyranus est à présent tame, voilà, level 199. Il a presque 10 000 de vie, il a 2400 de stam, soit presque 2500. Au niveau des stats, bon... C'est pas non plus ouf, c'est assez rond. Il est juste un tout petit peu boosté sur l'oxygène et sur la nourriture. Sinon tout est à peu près rond, donc bon, c'est assez correct. Il est pas non plus ouf, mais c'est toujours ça de prix. Au niveau des mutations sur les Rex, alors franchement moi-même je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai chopé une nouvelle mutation vie avec une mutation violet. C'est what the fuck, regardez-moi ça. Le Rex il est violet, donc c'est une nouvelle mutation vie. Du coup ça me fait 11 000 de vie lorsqu'un Rex naît, donc c'est plutôt pas mal. J'ai voulu les transférer sur les Rex radioactifs verts, et à ma grande surprise, ils ont eu une nouvelle mutation. Voilà, ils ont chopé une petite mutation jaune avec une magnifique crête. Donc je pense que ça sera les prochains Rex pour la Broodmother. Et là vous vous dites, ah ouais bah c'est cool, il a chopé une nouvelle mutation couleur. Ouais mais pas que ça, j'ai aussi chopé une fucking mutation Stam. Donc c'est trop génial, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est beaucoup trop génial. Je crois que j'ai quand même pas mal de mutations sur ce Rex, voilà, j'en suis à 10 sur 20 et 6 sur 20, donc je pourrais pas en rajouter énormément, mais normalement si je refais des Rex, prochainement je pense qu'ils pourraient être complètement pétés. Et j'ai pris une grande décision par rapport d'ailleurs au Rex, sachant que je commence à avoir 3 mutations couleurs, si je ne me trompe pas, une orange, une verte et une violette. Je compte prendre normalement un Rex, enfin une couleur de Rex pour chaque boss. Imaginons pour les Broodmother, ça sera du coup bah, les Rex radioactifs verts. Pour le dragon, ça sera peut-être, imaginons, je sais pas, le mutant rose, enfin violet plutôt, ou alors peut-être orange. Et ensuite pour le Megapithecus, ce qui se fera avant le dragon bien sûr, ça sera soit bah, le orange, soit le violet. Je pense que ce sera plus le violet, mais on sait jamais. Comme j'ai dit également au début, tous les Rex ont été déplacés vers l'endroit où je veux faire mes boss. Alors il y a eu également du changement par rapport à ça. Il y a quelques records de ça, je crois que j'avais dit que personne ne devait s'installer à la tour verte, tout simplement parce que bah, sinon c'était pas juste envers les autres. Par exemple, je sais pas, moi je m'installe à la tour verte et pourquoi pas moi et pourquoi pas un autre, ce qui en soit assez évident. Mais j'ai cherché un beacon, j'en ai pas trouvé. Voilà, je dis très clairement, je n'ai pas trouvé de beacon adapté qui était secure, qui était plat, donc un endroit adapté pour faire les boss. Et je n'ai pas trouvé de beacon près de chez moi, parce que le problème étant que si je ne passe pas durant un certain temps, voir mes Rex, bah ils despawnent en fait, parce que c'est une commande sur le serveur qui fait ça. Donc ça, faut faire très attention. Il y a déjà Steve qui a perdu tous ses dinos, il y a déjà aussi, je crois, Nietzsche qui a perdu tous ses dinos par rapport, je crois, avec ce bug. Enfin, c'est pas un bug justement, c'est une commande. Mais voilà, donc tous les Rex sont actuellement bientôt à la tour verte. Il me reste juste à en transférer 2-3 par-ci par-là et... Oh putain, il y en a qui tombent bien. Mais t'as juste à traverser un pont quoi, y'a rien de compliqué quand même. En plus y'a le titano en bas, ça fait chier ça. Faudrait, je pense, un jour trouver un moyen de le tuer, parce que ça devient juste complètement gavant d'avoir un titano juste à la tour verte, sachant que ça risque de poser problème. Mais si on ne tape pas, il devrait rien faire. Putain, j'ai cru qu'il allait retomber ce con. Oh, il m'a fait peur. Donc, je reprends mes explications. Pourquoi moi je m'installe à la tour verte? Donc j'ai cherché des beacons, j'en ai pas trouvé. Mais c'est surtout qu'à la tour verte, au final, personne ne pourra s'installer. Parce que Guanalef, lui, je pense, ne fera jamais les boss, puisqu'il bah, est pas très actif et je pense qu'il n'aura jamais le temps de les faire. S'il les fait, je pense que c'est vraiment à la toute fin de la saison. Et je pense qu'entre temps, j'aurai peut-être déménagé, si ça se trouve. Enfin, pas déménager de maison, mais déménager de beacon, parce que je sais pas si je vais rester indéfiniment à la tour verte. En soi, moi ça m'arrange, mais ça fait quand même un petit peu chier pour les autres, sachant que tous les autres se sont cassés le cul à trouver un beacon. Et moi j'arrive en mode eh, salut, moi j'ai pas trouvé de beacon, donc je me mets la tour verte. C'est un petit peu débile. Donc on verra bien comment ça se passe. Écoutez, alors toi par contre tu vas te placer voilà juste là, magnifique. Et Nietzsche et Tsuki de leur côté ne sont pas encore prêtes pour les boss. Et je pense elles ont déjà trouvé un beacon. Si je me trompe pas, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a pas mal de beacons près de chez elles, donc je pense qu'elles vont plutôt préférer mettre leur Rex près de leur beacon plutôt que se casser le cul à venir jusqu'à la tour verte. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport au Rex. Alors évidemment, ils vont venir... Non, sans tomber, s'il vous plaît, sans tomber. Alors attends, on va plutôt te repositionner, sinon je sens que tu vas aller pile poil tout en bas, ça va être vachement chiant. Hop, on va juste te repositionner.
tu dois aller, voilà, vers là-bas. Donc tu ne tombes pas, toi tu ne peux pas tomber, si tu tombes t'es vraiment handicapé. Toi, t'es en train de régénérer ta vie, t'as 31 000 de vie également, ça il n'y a pas de souci. Et en plus il commence à pleuvoir, génial, voilà. Alors toi on va te reprendre ta selle, voilà, et on va pouvoir remonter sur l'outil. On va pouvoir vous siffler sans tomber, vous deux, c'est bon, tout va bien, vous n'allez pas tomber. Voilà, nickel, ils sont pas tombés, ah bah c'est génial ça. C'est cool. Alors du coup toi on va te mettre la selle, on va te placer hop juste ici. Donc je le redis également encore une fois, si jamais vous avez des noms éventuellement pour les Rex, n'hésitez pas à les donner. Sachant que Brute Squad 14 ou 2 ou 10, ça fait un petit peu bizarre comme nom. Donc autant leur mettre des noms. Voilà, que ce soit votre pseudo, que ce soit votre prénom, que ce soit je sais pas un prénom inventé, ça peut toujours être cool. Et d'ailleurs aujourd'hui je pense, vous l'avez remarqué, c'est un épisode très très chargé. J'essaierai je pense prochainement de faire des épisodes plus soft, parce que au final cet épisode là m'a demandé peut-être pratiquement une semaine et demie, peut-être voire deux semaines de tournage, sachant qu'il a fallu faire les repro, etc. Je crois que l'intro, j'ai dû la faire il y a deux semaines, il y a une semaine et demie, bientôt deux semaines, donc ça prend du temps, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Donc le Yuti, toi, on va te placer, hop, directement dedans. Les autres Rex, je vais pas encore les placer, il y a une raison toute simple, c'est qu'ils sont pas prêts. Voilà, ils sont pas encore tous entraînés, donc j'irai les entraîner juste après. La selle, elle n'est pas à moi, elle est à Jessie, donc il va falloir que j'aille la rendre. Mais avant ça, je pense qu'on va revenir avec ce Rex à la base, parce que si je reviens à pied comme ça, à poil, ça va pas le faire. Là, je vais juste me faire démonter par les Sarcos, par les titans de bois, tout ce que vous voulez. Donc j'espère que vous aurez tout de même apprécié ce plutôt gros épisode. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu tout simplement. On se retrouve très bientôt pour un live, normalement peut-être ce soir, peut-être demain matin, je ne sais pas exactement quand je ferai un live, mais normalement très très bientôt, sachant qu'hier il y a eu un petit live cave, voilà, il y aura peut-être la rediff dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et puis bah du coup c'est Starkey, à la prochaine, et puis bah salut.